Vraiment un excellent, excellent show. Je crois qu'on va à nouveau applaudir tout Jazzimat ou Jazzimut, comme on voudra. C'est vraiment un retour, merci comme beaucoup. Je disais, triomphal. Alors, je crois que c'est mon ami Thierry qui ne s'est pas proclamé, mais qui était coopté chef d'orchestre. Donc, on va... On ne lui a pas laissé le choix. Voilà. Donc, on va te faire un petit peu parler. Tu es l'ancien aussi du groupe, donc c'est un peu normal. Et puis, ben, on va prendre un deuxième micro, parce que nous sommes très pauvres sur Nancy Web TV au studio. Ah, c'est moi qui dois le prendre. On en a qu'un. Bah oui, malheureusement. Ou heureusement pour toi. Alors, Jazzimut, c'est un groupe qui existe depuis longtemps. Bah, une quinzaine d'années, à peu près environ. Mais il y a eu du personnel avant. Il y a eu, trois, quatre chanteuses. On a arrêté pendant un moment. Et il y a eu un changement de chanteuse aussi. Oui. Et puis, Emeline nous a rejoint. Ça fait quoi? Ça fait peut-être un an et demi, deux ans, je ne sais plus. Ah, déjà cinq. Ça passe tellement vite. Voilà. C'est vrai que ça fait 5 ans. J'aurais dû dire oui. C'est vrai que le groupe dans sa formation actuelle, c'est bien. Vous avez d'excellents choix de morceaux. Merci. Et puis là, vous avez une excellente chanteuse aussi. Il faudrait que tu les présentes, tes amis. Donc c'est Christophe à la guitare et au chant. Voilà. Et puis Emeline au chant, au claquage de tout. Donc après 5 essais, tu as trouvé la bonne chanteuse, donc Emeline. Ah oui. Voilà. Mais tu es réputé quand même pour être un contrebassiste à femme, entre guillemets, parce que tu es déjà venu sur le plateau avec Valérie Balduini. Il faut le dire. Et Vincent Aubertin aussi avec le trio Brel. Oui, je sais. Ouais. Voilà. Mais bon, je parle avec des femmes moi, aujourd'hui. Oh. On apprend toujours des choses. Hein. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y a eu beaucoup de morceaux dans différents styles. Comment vous choisissez tous ces morceaux, alors, puisque on a été du jazz à la pop, même au disco, si on peut le dire. Il n'y a pas longtemps, celui-là. Non, mais il est bien réarrangé à la pop. Et puis, on a terminé par du gospel, ouais. Du blues aussi. Donc. Du blues. À peu près 6 styles différents, à peu près. Comment ça choisit tous ces morceaux-là? Comment vous faites tous les trois? Vous êtes d'accord au départ sur les On sur a les imposé choix tout. C'est toi qui impose tout, quoi. Non, après, on se met d'accord. Après, à Will Survive, je lui ai demandé, écoute, Emeline, est-ce que ça t'intéresse de faire ça? On fait ça en duo. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, on a essayé, puis a priori, ça marche. Au début, j'avais dit non. Et donc, pour le coup, vous composez pas, quoi. Vous êtes plutôt dans l'arrangement ou le réarrangement, quoi. Réarrangement. D'accord. Voilà, dans le désordre. Mais bon, quand c'est un bon réarrangement, ça vaut mieux qu'un mauvais original, hein, n'est-ce pas ? Tout à fait. N'est-ce pas ? Alors, ce groupe, 15 ans quand même d'existence, aujourd'hui, et vous avez eu quand même un laps de temps assez grand pendant lequel vous n'avez pas joué. Oui, ben, c'est-à-dire que tout le monde était un peu occupé, et puis on avait laissé un peu en stand-by. Moi, je faisais pas mal de choses aussi en orchestre symphonique, donc je n'avais pas trop de temps pour tout faire non plus. Et puis là, j'ai dit, bon, on va réactiver le groupe. Voilà. Alors, on va peut-être demander à Christophe, parce que tout à l'heure, on a parlé de guitare en bois, qui nous parle de sa belle guitare, là. Il veut prendre mon micro. Alors, cette belle guitare, tu veux nous la présenter? C'est une guitare faite maison ou c'est une... Non, c'est une guitare américaine, faite aux États-Unis. C'est une Tacoma, ça s'appelle. Qui a un son exceptionnel. Ouais, c'est une bonne guitare. Et très bonne également pour le blues, le Hoochie Coochie Man. Acoustique, oui, c'est sûr. Mais oui, ça peut... Ouais. Et donc, toi, tu faisais partie de l'aventure première de Jazzimut ou Pas tout au début, parce qu'ils ont éclusé pas mal de guitaristes aussi. Avec, Il a épuisé toutes les femmes et tous les guitaristes. Et les guitaristes aussi, je pense. Avec une autre chanteuse, une première, une toute première, celle du tout début. Quoi. Et moi, je suis arrivé quand même peu de temps après, je pense. Oui, ça fait longtemps que tu es là quand même. Oui, ça fait un petit bout de temps. Oui, on a fait partie d'autres groupes aussi. Oui, voilà, donc j'allais dire, tu étais déjà dans la musique avant de jouer Tout Jazzimut. Oui, on a fait aussi autre chose que Tout Jazzimut. Ouais. On a fait un trio de jazz. Parlez-nous un peu de votre carte de visite, là, de votre curriculum vitae, comme on pourrait dire. Vous avez joué avec qui auparavant, alors?
tellement de groupes que je sais plus trop. Thierry, là, oui, parce que les bassistes. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait énormément de groupes. Et puis voilà, après, dire tout. Aujourd'hui, ça se résume. Tu accompagnes toujours Valérie Balduini, je suppose. De temps en temps, oui. Et puis, je suis en orchestre symphonique, donc ça prend un peu de temps. Donc le tout jazzimut. Le trio Brel aussi. Celui-là, il est toujours actif. Ah oui, très très actif. Surtout en ce moment, on va sortir un CD. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. On va venir le présenter à Nancy Web TV. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et autrement, vous avez d'autres activités? Vous avez de la scène en vue, par exemple, par rapport à votre, à votre groupe? Là, on va commencer à chercher vraiment. Donc, on espère d'avoir un super CD pour pouvoir. Les DVD pour pouvoir tout repose, faire de la promo. Tout repose sur les épaules de, tout repose sur les épaules de Claude. Voilà. Et puis, c'est le travail aussi en amont des gens qui ont pris le son. Hein, c'est Alain, c'est. Oui, c'est, tout à fait. Puis on vous remercie surtout de l'avoir invité. Vrai, hein. Et puis pour le son et tout, c'était vraiment super bien. Quoi, ouais. Très bien. On s'entendait bien, c'était impeccable. Alors, avant de vous quitter, donc, vous avez certainement encore d'autres morceaux à travailler. On peut espérer, si on vous revoit sur scène un jour, j'espère. On reviendra peut-être ici, peut-être l'année prochaine, avec d'autres morceaux. Ah, ce serait une belle idée de revenir périodiquement présenter les nouveaux morceaux que vous avez réarrangés. Et ça nous fait l'occasion d'un beau show, quoi. Donc, je vais peut-être laisser le micro à Emile. Peut-être. T'as tout dit déjà. Peut-être. Non, mais on aimerait bien savoir parce qu'elle a quand même une super voix. Comment on a une voix comme ça? Est-ce que c'est une voix. En prenant la douche Est-ce que c'est une voix naturelle ou c'est une voix que tu as travaillée par des écoles ou par la, non, la j'ai Pop jamais Academy pris de cours, ou après, j'ai fait de la chorale quand j'avais une quinzaine d'années. Et puis, du coup, ça apprend à travailler les cœurs et puis à travailler l'oreille aussi. Et tout Jazzimut, c'est le premier groupe Non, j'en ai eu d'autres, mais je suis plus en remplacement en fait dans ces groupes-là. D'accord. Là, il n'a pas intérêt à me remplacer parce que. Elle est irremplaçable. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai que tu peux répondre ou Thierry parce que elle connaît la réponse aussi, je suppose. Et pourquoi vous avez choisi ce nom de tout Jazzimut? Ta-da-da. En fait, c'est bon, comme notre répertoire, il est un peu tout azimut. On s'est dit tiens, il est un peu jazzy. On s'est dit pourquoi pas tout jazzimut. Hein, Christophe, c'était pas un peu ça? C'est la grande idée. Hein. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Voilà. Bon. On a vite fait de faire un lapsus de dire tout azimut. Oui, azimut. On s'est déjà fait. Voilà. Tout azimut, on en a eu une paire de fois. Donc. Mais enfin, c'est bien trouvé. Voilà. Mais le fond de votre inspiration, de votre musique, c'est quand même le jazz. Ouais. Et par exemple, toi qui es contrebassiste, même si tu fais d'autres musiques, qui t'a influencé pour faire de la contrebasse? Parce que la contrebasse, ce n'est pas un instrument des plus faciles à jouer au départ. Ouais, moi j'aime bien Gary Peacock, Charlie Haddon, des gens comme ça. Et par contre, il y a la musique classique aussi qui m'attire énormément aussi. Et puis il faut dire, on en parlait en off aussi tout à l'heure, tu avais fait ce fameux show à l'autre canal il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait, au mois de janvier. Ouais. Donc, Symphopop. Symphopop, voilà. Ouais. Et ça, c'est une aventure unique ou c'est une aventure qui risque de revenir à terme? Je pense qu'il y aura un Symphopop 2, a priori. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. J'ai raté le premier, j'espère que je ne raterai pas le deuxième. Non, c'est vrai que l'idée était belle de base avec le chanteur des Corgis. Ouais. Écoutez, on va donc se quitter sur ces belles choses, à moins que vous ayez pour votre promotion. Comment on vous contacte, au fait? On nous contacte, je vais donner mon téléphone. Pour l'instant, on va faire donc un site. Ça, c'est dangereux, ça. Attention, c'est un contrebassiste. Qui aime beaucoup les chanteuses. Voilà. Donc, je vais donner mon numéro de téléphone. Donc, le 03 83 45 38 50. Voilà. Donc, là, par contre, on va faire un site, on va faire quand même des choses. Voilà. Donc, ça va bouger. Pour l'instant, vous n'avez pas de site internet? Rien du tout pour l'instant. D'accord. On est en train de tout faire. Tout est à construire. Tout à fait. D'accord. Eh bien, je vais vous remercier. On va les applaudir encore une fois parce que vraiment... Merci de nous avoir invités surtout. Eh bien, merci pour ce beau spectacle que vous nous avez offert. On va remercier Pierrot qui était donc à l'image.
Alain, notre wizard de la table de mixage au son. Merci Alain. Laurent aux lumières. Oh là, le public est en délire là. Et puis voilà, ils sont quelques milliers, faut les comprendre. Et donc Claude, bah bien sûr le webmaster, celui qui va vous faire des superbes objets. Et puis cher public du web, c'est surtout vous qu'on remercie de nous regarder avec tant de fidélité, et ça nous permet de continuer cette belle aventure dans différents genres musicaux. On est au jazz, et samedi prochain on va passer au rock pop avec un groupe très talentueux. Donc j'invite tous ceux qui veulent regarder. C'est un groupe luxembourgeois qui existe déjà depuis quelques années. Ils sont jeunes, ils composent, ils ont plusieurs albums. Ils ont également une très belle chanteuse. Je sais que tu aimes bien les chanteuses. Ils ont une très belle chanteuse. Et ils s'appellent 0.5. Et donc, on les recevra sur le plateau. Avant, on repassera aussi par le jazz prochainement avec un nouveau petit virtuose, également luxembourgeois, mais qui est allé au conservatoire de Bruxelles, qui s'appelle Arthur Possing. Et d'autres choses, beaucoup d'autres choses dans d'autres genres musicaux. On n'est pas fixé sur un genre musical, mais c'est les offres, c'est l'offre et la demande. Ça, on nous téléphone, on nous dit on voudrait jouer, et puis je rencontre des artistes qui disent je voudrais bien faire le plateau, alors on dit oui, puis on a un calendrier, Claude le gère, c'est pas facile de gérer un agenda, ça je peux vous le dire. Et puis parce que quelquefois le groupe peut pas venir, ou quelquefois on a d'autres ennuis, et puis voilà quoi. Donc beaucoup de choses à venir, et puis un grand merci à tout le monde. C'est, pour moi c'est un vrai plaisir d'être avec vous, amis musiciens, avec vous dans le studio, avec vous public du web, et puis une bonne fin de semaine, et puis pour ceux qui l'auront, bonne fête des grands-mères, et pour ceux qui le voudront, rendez-vous donc samedi prochain, vous aurez vraiment du rock pop de grande classe avec 0.5. À très bientôt. Merci.